suis débile, je sais. Wow, quoi? Nous sommes de retour sur 5 nuits chez Freddy, la brèche de sécurité. Bonjour Freddy. Est-ce que tu es content que la dernière fois on ait exécuté l'un de tes camarades pour que tu puisses te greffer ses griffes? Ah mais attends, mais comment ça, amélioration de... Oh, en fait, c'était pas un choix par rapport à Chica et à Monty. Je vais pouvoir déglinguer Chica et Roxy ensuite. Ok. Mais attends, mais s'il y a plus Chica et Roxy, il restera plus que Vanessa, non? Ah non, il y a Philippe. En fait, c'est Philippe le grand méchant du jeu, c'est ça. Ok, bon, là, il va falloir que je me concentre. Concentre-toi. Ouh, les beaux pieds dans la belle chambre. Le zizi. Appuyez sur X pour ouvrir la coque du bras. Ok. Pour retirer l'ancien avant-bras. Oh là là, oh merde. Il est important de correspondre exactement au motif. Comment ça, correspondre au motif? Oh là là, Ah, ok, c'était pas ça. Je m'attendais pas à ce que ça fasse direct des deux côtés les... Bref, ah... Commençons par... Quoi? Mais j'ai rien fait, là. Oh, j'ai appuyé sur X, c'était ce qu'il fallait faire pour ouvrir la coque du bras, c'est eux qui me l'ont dit. X, X... XXBA. Non, putain! J'ai confondu le A et le B parce que sur les manettes de PC, c'est pas comme sur les manettes de Switch, et ça m'encule la vie! Je comprends pas pourquoi entre PC, PlayStation, Nintendo, ils sont pas tous dit « Oh, et si on faisait la même chose, au moins la même logique, placer le X au même endroit, il est tout le temps à un endroit différent, le X !» Bien, placez maintenant la nouvelle armature dans la coque de l'avant-bras. Comment je fais? C'est bon? Maintenant que la nouvelle armature est en place, reconnectez les câbles de couleur. Ah merde! Beau travail. Ok. Maintenant, fermez la coque. Ok. Quoi? Mais j'ai appuyé! Il m'a mis le logo X! Vous l'avez vu! Vous l'avez vu! J'ai appuyé sur X parce qu'il m'a dit d'appuyer sur X! Con de merde! Pardon. Vas-y, recommence tout depuis le début, encore une fois, alors que c'est la faute du jeu! C'est la faute du jeu! Oui! Travail. Maintenant, ok, fermez la coque. Vous voyez, ils appuient, ils montrent le X là. Et c'est juste que j'ai pas attendu la première fois que le con là, il arrête de parler. Maintenant, ok, utilisez la console de test pour lancer les diagnostics et terminer la procédure. Non. AX. Ok. AX. J'ai peur. AX, Y, X. Terminer la procédure en utilisant l'ordinateur d'accès. Ok. J'utilise l'ordinateur d'accès, d'accès. Il n'y a pas besoin d'effectuer la même procédure pour l'autre bras. L'assistant automatique l'a fait pour vous. Ah, Dieu merci, l'assistant automatique. Ok, vite, sort. Terminé. Ah, utiliser les griffes de Monty pour ouvrir les portes spéciales du Pizzaplex. Je peux ouvrir encore plus de portes qu'avant. Où as-tu trouvé ces pièces? Attends, Freddy, je vais sauvegarder. Quelle chance! Je devrais pouvoir briser les barrières anticyclones du bâtiment maintenant. Tout comme Monty. Exactement comme lui. Super. Non! Non! Vite! Comment on fait? Vite, Freddy! Laisse-moi aller me mettre là-dedans! Ok. Putain de bordel de merde! Je suis ravi que tu aies réussi à atteindre la station de recharge, Grégory. Maintenant que j'ai été amélioré, je devrais pouvoir accéder au Roxy Raceway. Ça fait un sacré bout de temps que je n'y ai pas mis les pieds. Mais tu pourrais peut-être trouver des indices sur comment s'occuper de Roxy une fois sur place. Ok, t'inquiète, on va s'occuper de Roxy. J'aime bien comment il dit s'occuper de Roxy. Est-ce que t'as vu ce que j'ai fait à Monty, Freddy? Parce que je lui ai pas demandé poliment ses petites mains, hein. Je lui ai déglingué sa sale gueule. Je suis en train de calculer un truc, c'est que vous m'avez dit, il me semble, dans les commentaires, que je pouvais faire venir Freddy à moi en appuyant sur... Ah, c'est ça, ok. Attends, par contre, c'est terrifiant. Attendez, parce que... J'appuie sur la touche pour le faire venir. Ah, mais... Attends, mais il arrive d'où, là? Oh, putain! Attends, mais t'étais juste en face de moi, tu t'es téléporté pour arriver par un autre endroit. Attends, Freddy? Ah, c'est pratique. Ok, par contre, c'est terrifiant, on dirait que tu me cours après, hein. Ah! Attends, je suis en train de calculer un truc. Est-ce que... Mais pourquoi? Ah, pardon, Freddy, non, pardon, je voulais pas. Je suis désolé, je pensais pas que ça marcherait sur toi, mon frère. C'est... Ma star! Bon, il faut qu'on aille au Roxy Raceway. Alors, il me semble que c'était...
Je sais pas si je peux remonter par ici, par l'ascenseur magique qui va au centre du truc. Est-ce que ça m'arrangerait, ça me permettrait d'aller direct là où je dois aller, quoi. Ah, on peut ! Freddy, come on ! Let's go ! Non ! Non, Freddy ! Non ! Freddy ! Non ! Ah, Freddy, en fait, t'es là. Ok, super. Mais ce que je sens venir, c'est qu'en fait, je vais améliorer Freddy au fur et à mesure. Genre, je vais en faire une machine à tuer. Une machine de guerre, là déjà il a des griffes qui pourraient me broyer en deux. Mais si je l'améliore au maximum avec tous les trucs de Chica et Roxy en plus, ça veut dire qu'après il restera plus que lui. Et s'il reste plus que lui, j'imagine que lui il va finir par péter un câble et il va vouloir me bouffer. Donc là en fait je suis en train de creuser ma tombe en améliorant Freddy. Il est quand même déjà 5h du matin, hein. Je pense qu'on approche de la fin. Attends mais non mais ça c'est pas le Roxy Restway. Mais attends mais je comprends rien Freddy. Je comprends pas. Je suis entré dans la porte du Roxy Restway et maintenant que j'y suis, ce n'est pas le Roxy Restway. Que c'est pas ça. Oh là là. Wouhou! Tu ne m'auras jamais! Connasse! Connasse! Mais qu'est-ce que... Freddy? Freddy? Qu'est-ce que tu fous? Ah! Il y a un panneau qui dit que Monty peut pas venir ici. Ah mais... Attends mais... Mais c'est pas moi qui ai fait ça? Comment ça se fait? J'aurais bien aimé comprendre maintenant comment on faisait pour griffer les trucs. Et Freddy, mais toi aussi, t'es de plus en plus crade, vraiment. Il y a un truc qui cloche. je me demande si l'endroit serait pas un petit peu hanté. Oh oui, c'est là-bas le Roxy Restway. Ok. Donc c'est par ici que je dois aller. En toute logique. Et d'ailleurs, pourquoi le Roxy Restway est en travaux? Est-ce que par hasard, il y aurait eu des magouilles, genre un accident de karting? Oh putain, mais je crois que j'ai envie de chier. Ok, Freddy... Ok, donc c'est comme ça que ça marche et j'ai rien à faire de particulier. Alors... ici, y a rien de spécial. Oh, des trophées! Waouh! Et un sac à main! Oh, le P! Oh, je me suis déchiré le fion. Doline, point sur la construction. On ne passe pas une journée sans tomber sur un os ici. Le bitume n'a même pas le temps de sécher sur les nouvelles parties du circuit qu'il commence déjà à se craqueler. C'est à croire que l'on construit sur une doline. Quelqu'un a forcément inspecté le site avant le début du chantier, non? C'est quoi une doline? Ah, c'est un espèce de trou de calcaire ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. En gros, c'est un truc du sol qui fait que c'est pas un endroit où on aurait dû construire un truc. Et je crois que ça veut dire qu'il y a de l'eau en dessous. Sachant que l'eau, il me semble que c'est quand même... considéré dans tout ce qui est un petit peu horreur et possession démoniaque, c'est genre un truc qui garde les mauvaises énergies et tout, genre c'est un endroit où il y a de l'eau, ça veut dire que c'est pas bien. Salut, je m'appelle Roxanne Wolf. Oh, si tu aimes le frisson des moteurs vrombissants, le Roxy Raceway est fait pour toi. Inscris-toi et décroche la victoire. D'accord. Personne Roxy n'aime les perdants. Ah ok. Super. Je sais pas par où il faut que j'aille. Est-ce que je vais devoir faire du karting? Roxy a recommencé. Encore un staff bot débile décapité parce qu'il a eu le malheur de la croiser sur le circuit. Ah! C'est donc ça que je risque pendant la course de cartes? Peut-être pour ça que ça a fermé temporairement, hein. Je commence à en avoir marre d'aller à la salle d'arcade ouest pour réparer tout ce foutoir. Pourquoi il n'y a pas de stand de réparation de staff bot plus près? Attends, non, mais c'est le seul truc qui te dérange dans l'histoire, là? C'est pas le fait que Roxy ait tendance à décapiter des types sans raison? Un autre petit mot. Vieil ascenseur. Point sur la construction. On a fini de percer les fondations aujourd'hui. On a trouvé une sorte de vieille cage d'ascenseur. Quelqu'un doit forcément être au courant, en tout cas il y a quelque chose là au fond qui siphonne notre électricité. J'emmènerai une équipe pour aller voir ça de plus près demain matin. Vous avez construit le méga pizzaplex sur un cimetière de robots! Non, c'est sûr, il y avait déjà une pizzeria phase beat là. Mais pourquoi je descends ici? Est-ce que c'est là que je suis censé aller? Parce que je peux passer ici. Donc si je peux passer, c'est que j'avance... Ok, alors vous venez juste de parler qu'il y a un truc qui siphonne toute l'énergie dans les profondeurs du machin, et là je suis pile dans les profondeurs du machin. Ah mais ça doit être pour plus tard parce que là il y a un panneau Chica. Il doit falloir que j'ai zigouillé Chica aussi pour pouvoir passer ici. Ah, je suppose que là l'objectif c'est vraiment le Roxy Raceway de faire une course de cartes avec Roxy quoi. Wow, non! Non, c'est pas ce que tu croyais! Freddy! Freddy! Wouhou! Ça, c'est ce qui s'appelle se planquer au bon moment. Voilà, j'avais pas de blague. Ah si, en fait, j'en ai une. Hé, Roxy, je te suis passé sous la truffe, hein. La truffe, c'est un loup.
Je suis sûre que tu n'as même pas d'amis. Ouais, ben en fait, pour tout te dire, là, mon problème, c'est Freddy qui est déchargé et je sais pas où est-ce qu'il y a une station de recharge de Freddy. Pas ici! Pas ici! Tu te crois meilleur que moi? Bon retraite, Grégory! Bon retraite! Oh putain, mais tu me fais peur! Fais pas ça, c'est pas gentil! Je suis pas ici, tu peux pas me trouver et... Je t'ai entendu. Moi je vais faire la course de voiture, Quoi? Globalement je vais la suivre histoire qu'elle me voit pas, parce que si je suis derrière elle, c'est moi qui suis une menace pour elle. Mais en fait j'ai ça, je suis con. Complètement débile, je suis complètement... Oh, il y a une station de sauvegarde là-bas, ça veut dire que c'est là-bas que je dois aller. J'ai juste la surveiller et la regarder jusqu'à ce qu'elle s'en aille dans sa chambre. Cache-toi! Ok, je peux accéder à cette station de sauvegarde. Désolé, Grégory, on dirait que tu n'es pas assez grand pour conduire un kart tout seul. Tu vas avoir besoin d'un robot pilote assistant pour prendre le volant. Et toi, tu peux pas conduire, Freddy? Oh non. Ce robot a plus de tête! T'as pas ton permis? Attends, comment ça le robot... Attends. Recherche pilote de test. Demande d'équipement. Nous commençons à manquer de robots de test pour le circuit. À ce jour, il reste un seul robot pilote d'assistance. Par précaution, nous l'avons rangé à l'arrière du circuit près des escaliers au nord-ouest. Ah. J'ai besoin d'un robot avec une tête ou je peux conduire avec un robot sans tête? Parce que du coup, est-ce que je peux utiliser celui-là? Non, il me faut une tête. Il faut une tête pour le robot. Et du coup, c'est que le sac que j'ai trouvé est vraiment important. À l'arrière du circuit, près des escaliers au nord-ouest. Près des escaliers... C'est pas ces escaliers-là, si? Point sur la construction. On n'arrête pas d'avoir des chutes de tension en ce moment. J'ai fini par en avoir marre, alors je suis allé mener ma petite enquête. On dirait que quelque chose pompe une grosse partie de l'alimentation électrique du chantier. On a suivi un câble haute tension qui disparaît dans les fondations. Il y a quelque chose sous nos pieds, c'est une certitude. On va forer là-dessous et découvrir ce que c'est. Mauvaise idée! Vous auriez jamais dû creuser, vous l'avez libéré. Oh là là. C'est tellement classique, genre dans tout ce qui est film d'horreur et tout. Ah ben, on a vu qu'il y avait un truc chelou. Alors on s'est dit qu'on allait creuser pour aller voir ce que c'est. Et bah, évidemment, il y avait un truc chelou, effectivement. Oula, est-ce que c'est... Là, mais attends, ils sont terrifiants ces escaliers par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis où là? Attends, mais ça a l'air de brûler ça, non? Un peu? Wouh! Il fait chaud! Grégory, tu brûles pas là? Wouh, mais attends, mais. Santa madre de Dios! C'est le feu des enfers! J'ai trouvé une porte qui mène au diable en personne! Et je vais crever là si je peux pas aller dans les flammes. Ah oui, d'accord, il y a un mur invisible qui protège Grégory du feu. Freddy, tu peux venir ici? Freddy peut pas venir ici, fait chier. Mais pourtant, c'est peut-être ici en fait qu'il y a... Je sais pas, non, je pense pas que ce soit ici qu'est la tête du pilote de kart que je cherche. Mais intéressant pour la suite, hein. Faudra se souvenir que ici c'est pas mal peut-être. Peut-être qu'il y a des trucs à trouver sympas. Oui, donne-moi le mot rénovation. Rapport de la direction, le bowling a besoin d'un coup de jeune. Depuis qu'on a retiré presque toutes les illustrations de Bonnie. Ah, Bonnie, son animation c'était du bowling. Les gamins n'arrêtent pas de me demander où il est. Est-ce qu'on a une réponse officielle à donner? Il est mort. Salut Freddy. J'ai trouvé un truc vachement chelou en descendant des escaliers. Faudra que tu viennes avec moi, franchement. À côté des escaliers au nord-ouest. Mais c'est là, non? Ok, c'est cool, c'est exactement ce que je cherchais. Mais par contre, je m'attendais pas à avoir un jumpscare avec le pilote. Bien joué. Tu as trouvé la tête d'un robot pilote assistant. Là là. Je ne pense pas qu'il fonctionne dans cet état. Mais tu trouveras une station de réparation de staff dans la salle d'arcade ouest. Pour y accéder, tu auras besoin d'un ticket pour la piste de danse. Tu as regardé dans le garage. La piste de course a été fermée dans la précipitation avant le début des travaux. Ok, faut que je regarde dans les garages. Que les clients. Vous voyez, ce coup-ci, j'écoute maintenant. En cas d'urgence. Il faut que j'aille ailleurs pour pouvoir réparer le staff bot et ensuite... Ah, oh, c'est trop chiant, hein. Oh, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un. Mais s'il y a... Oh, putain. Non. Tu te... Je l'ai trouvé. Oh, oui, mais j'ai sauvegardé il y a très longtemps, moi. Putain, fais chier. Connasse, vous êtes prêts? Jumpscare! Wouhou! Ouais! Je récupère le cadeau! C'est pas ça que je cherche, fais chier! Par contre, on est déjà à 5h15 du matin. Ça voudrait dire que je suis proche de la fin du jeu, logiquement. Ou alors ça se termine plus à 6h du matin, mais je...
Je vois pas pourquoi ça se terminerait plus à 6h du matin. Ding 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 ding. Ouais, let's rock. Amener la tête du robot à la salle d'arcade ouest. Mais je crois que la salle d'arcade ouest, c'est un endroit où je m'étais perdu dans l'épisode où c'était le bordel. Je sais pas si vous vous souvenez. J'y avais été dans cette salle d'arcade, mais je sais pas si je l'avais mis au montage ou si, vu que c'était pas ce que j'étais censé faire, je l'avais pas mis du tout. Du coup, laissez-moi résumer. Il faut que j'amène le robot pour se faire réparer à la piste de danse dans la salle d'arcade pour ensuite... Attendez. Pour ensuite venir faire une course de cartes ici contre la connasse de Roxy de merde qui pue. Elle pue. Tu pues. Ok, faut chercher le truc avec écrit Let's Rock. Ah, c'est ça. C'est là-haut. Ok, ok, ok. Vous voyez que je m'améliore au jeu. Je suis beaucoup moins bloqué facilement parce que maintenant, j'ai compris comment ça marchait. Même si le jeu reste quand même sacrément mal foutu des fois, quand même. Rien que le fait qu'on te donne une carte sur laquelle il n'y a pas écrit les noms des lieux... C'est complètement incohérent, et ça rend le jeu horrible pour aucune raison, mais c'est pas grave, c'est pas grave, écoutez, bon... Phase 4, ok... C'est bon, du coup je peux passer? Merci. Je dois rester ici. J'aimerais pouvoir te suivre, mais après l'incident de cette nuit sur scène, je n'ai plus le droit de performer. Si je pose un pied sur la piste de danse de la salle d'arcade ouest, je perds le contrôle. C'est un bug de programmation. Mm-hmm. Rends-toi au bureau de la sécurité. Tu y trouveras une station de réparation de Staffbot. Mais ça, du coup, c'est ce que j'ai fait. Si tu vois le DJ, dis-lui bonjour de ma part. C'est un chic type. Ok. Mais du coup, le truc de sécurité de la salle d'arcade, c'est... Je l'ai déjà fait, non? Waouh. Ok. Super. Oh, mais j'avais pas vu. Mais c'est terrifiant, ce truc-là. Mais attends, mais c'est lui, le DJ. C'est lui, le DJ dont il parlait. Waouh. Mais oui, mais il est grave cool. Mais attends, mais... Attends, laisse-moi te regarder. Mais le DJ, c'est pas genre une araignée comme celle du conduit? Je trouve qu'il ressemble. Attends, mais non, en fait, c'est pas la même salle d'arcade que celle dans laquelle j'ai été la dernière fois. Waouh, 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 ok. Ah, ah, non, non, non. Y'a quelqu'un par ici? Oh putain, non, c'est une zone de chica. Par contre, j'ai très envie qu'on voit le DJ en action. Là c'est ma priorité. Ok, le bureau de la sécurité, le bureau de la sécurité. Il pourrait le montrer, enfin l'indiquer avec des petits panneaux. Non, 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 non. Putain, mais ils y voient loin, ces connards. J'ai tendance à oublier que le Fast Blast, il fonctionne même sur eux, en fait. C'est pratique. Si j'étais un bureau de la sécurité, je me foutrais où dans tout ce bazar? Bah, je sais pas. Oh, 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 peut-être que c'est là. Ah, Staff Only, ça m'intéresse. Ah oui, c'est là, c'est carrément là. Ok, je sauvegarde et je vais faire une pause pipi, hein. Nos amis de la sécurité peuvent t'aider? Vous aimez mon cosplay de Chica? Salut, c'est moi, Glamrock Chicken. Ok, donc ici, je peux... Ah oui, d'accord, ok, c'est... Ouh là là, j'aimerais pas me retrouver là-dedans. Ah, c'est bon? La salle d'arcade ouest n'a pas été éteinte correctement. Certaines données peuvent être corrompues. Redémarrage en cours. Avant de commencer, redémarrez le gestionnaire audio en appuyant sur l'interrupteur près de la piste de danse. Grégory, le système de sécurité t'a détecté et a fermé les portes. Réinitialise les disjoncteurs et rétablis l'électricité de la salle d'arcade ouest pour réparer la tête du Staffbot. Toujours plus, hein? Bah oui, si c'était simple, ce serait pas assez compliqué. J'ai bien fait de sauvegarder juste avant. J'avais peut-être rechargé ma lamp, parce que sinon je vais être dans le noir. Et ça va faire peur. Spooky. Spooky, scary, skeleton. Five Nights at Freddy. Rapport d'entretien PQ2. Comment ça, PQ2? J'ignore pourquoi, mais... Princess Quest 2 ne démarre pas correctement à la borne, c'est à chaque fois que j'essaie d'y jouer. C'est à croire que c'est personnel, bref, aucune importance, de toute façon je n'ai toujours pas trouvé PQ1. Redémarrer la salle d'arcade d'Ouest, cabine DJ. Cabine DJ? Au pire, si jamais je trouve pas ce que je dois faire, je laisserai Chica grignoter mes organes et comme ça Freddy me réexpliquera. Faut que je descende là où il y a le DJ? Oh! J'ai trop peur! J'avais pas vu que c'était un sol vitré! What? Attends, mais comment ça? C'était Monty, ça, non? Pourquoi il y a Monty qui a crié, là? Monty, il est... Non, 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 hein. Il y a un truc qui rampe là-bas, putain, non! Non, mais non, mais non, mais Monty! Mais je pensais qu'il était foutu, mais non! Mon frère! Réveille-toi! J'ai besoin de toi! J'ai besoin de ta musique! Ah!
Vas-y, si jamais elle me trouve, je spam le phase truc. Et bim! Ah mais Monty, oh là là, Monty, il rampe avec juste ses bras et il doit même plus avoir de mains, c'est terrifiant. Oh, regardez-le, mais oh non, 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 non. Mais oui, mais sauf que maintenant, il a plus ses lunettes de soleil. T'as une belle chambre. Je sais pas ce que je cherche. Oh, si, en fait, je sais. C'est juste là. C'était le DJ m'a guidé. Yes. Ok. Au travail. Protocole ouais. De sécurité désactivé. Attends, mais... Pyramide réinitialisé. Protocole DJ Brun. Réticulation des spleens. Oh yes. Vous rétablir le courant dans toutes les zones. Trois zones restantes. Service de conciergerie. Arcade. Arcade. Oh là, le DJ il a disparu. Si le DJ géant il a disparu, ça veut dire qu'il va essayer de me bouffer là. J'aime pas du tout l'idée. Il a dit service de conciergerie et arcade. Maintenant je sais ce que je cherche. Oh, je le vois le truc. Je le vois, je le vois, je le vois. Merde! Non! Allez, ça dégage! Wow! Ah, il est là, il est là, il est là! Ok! Oh! Putain, heureusement que j'ai ce truc là, hein! Non, 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 non! Non, chica, non, non! Il m'en reste que deux! Il m'en reste que deux! Oh! Ça a marché alors que j'avais plus de batterie! Ok! Non. Ok, j'en ai trouvé un des quatre. Je sais où est le service de conciergerie maintenant. Je me doutais que c'était par ici. C'est juste derrière le bureau de la sécurité en fait. Je sais où est-ce que sont les trois premiers. Du coup, il m'en manque juste un logiquement que je sais pas encore où c'est. DJ arcade concierge. Ok. La face cam, je comprends pas trop comment ça marche. Merde, mais ok, je sais où est le dernier. Ok, je sais où est le dernier. Yes. Yes, j'aurais préféré le trouver quand je le cherchais, mais c'est pas grave. Ils sont où les saloperies d'escalier? Ta mère! Mais lui là, il a l'air gentil. En vrai, lui, j'ai confiance en lui et Freddy m'a dit qu'il était sympa. Donc j'ai confiance en lui et je compte sur lui pour me sauver ma vie par rapport aux animatroniques. Ouais, la musique. Waouh, c'est du rock là. Ça va me motiver. Ok, motivé. Wow, shit! C'est parti. Ouais, j'ai toujours saigné. Meurs, oui, je souffre. Je t'ai déjà déglingué une fois, Monty. Je n'hésiterai pas à le faire une deuxième fois. Cours, Grégory. Dans le métal, du rock, du métal. Ok, plus que celui du... Ok. Il me reste plus qu'à retourner là d'où je viens. Oh, la musique, wow. Ça m'excite. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, on va à la conciergerie. Ouais. J'adore cet épisode, c'est trop bien. Je suis trop content. Conciergerie. Eh ben, c'est pas ça. Comment ça? Quoi? Genre, c'est pas celui-là. Putain, mais attends, mais non, mais fais chier. Je viens de regarder, je viens de vérifier, et c'est bien celui-là. Sauf que je sais pas pourquoi, moi, il veut pas. Pourquoi il bug? Sérieux, pourquoi? Mais allez, putain, fais chier, Grégory. Putain, non, mais fais chier, ça me casse les couilles. J'ai réussi, j'ai fait tout comme il faut, et je suis obligé de recommencer. Parce que le jeu arrive pas à faire... Putain, ça me casse les couilles. Putain, mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde, cette cruche aussi. Putain de pigeon de merde. Accès interdit au public. Ah, putain. Non, putain. J'avais enfin les deux. Ce jeu va le rendre fou, hein. Non, mais tu m'emmerdes. J'en ai ras le cul. Vraiment, j'en ai ras le cul, là. Oh, putain, mais il est là, le con. Oh, la. Arrête de me suivre. Non, Monty. Par contre, si ça rebug, je vais péter un câble, hein. Mais quoi? Pourquoi? Putain, je viens de comprendre, en fait, c'est pas le bon que je... C'est pas celui-là, le bon.
Super. Super, en fait, ça, c'est peut-être le dernier auquel je devrais accéder. En fait, il est dans les chiottes. Ok, alors apparemment, c'est ici, voilà. C'est celui-là que j'avais pas... Je suis débile, je sais. Wow, quoi? Mais... Je peux passer, là? Putain de bordel de merde. Mais non, mais quoi encore? Mais c'est quoi ça? Faut que je pisse. Comment je fais pour sortir de ces chiottes si l'autre y m'attend? Bon, ça va faire 2 heures que je tourne cette vidéo, je dois vous avouer que je commence à péter un câble. Ok, alors... Maintenant, comment je... Wow, putain de bordel de merde! Ok, wow! Comment je veux sortir de ces toilettes? Il veut pas me laisser sortir des toilettes. Le robot géant. Freddy, il m'a dit qu'il était gentil. Et en fait, il est pas gentil du tout. Wow. Ça marche pas. Wow, non. Eh ben, t'arrives pas à m'attraper. Ça marche pas, la face cam sur lui. Eh mais attends, mais s'il me cherche de ce côté là-bas, ça veut dire que je peux passer par là. Eh oui. Yes! Rin, saisis le dernier disjoncteur au bout du couloir de pièce et entretien. Ok, mais y'a Chica sur le pont là-bas! Je veux juste retourner dans ma chambre! Oh, mais attends, mais ça va au même endroit! Et ça veut dire que je viens de niquer Chica, ok? Ok! Plus que le dernier! Ok, j'ai été mauvaise langue! C'est pas que le jeu buguait, c'est juste moi qui avait pas compris que c'était pas ici la conciergerie! Yes! Mais attends, mais... Oh mon dieu, non! Pas un boss final! Pas ça, pitié! Non! Faut pas que j'ai plus d'endurance! Vite! Wow! Cours, Grégory! Ok. Oh putain, j'ai réussi. Oh putain. Arrêtez la musique. Je sens que je suis sur le point de faire un malaise. C'est bon, on peut réparer le robot du coup, s'il vous plaît. Ah, faut appuyer là. Non, ça c'est pour avoir un autre badge de sécurité. Ouais, trop cool. Niveau 7. Peut-être qu'en fait on va atteindre le niveau 10. Hein. Et du coup, comment je... Ah, c'est bon, je peux. Ça m'a pris 2 heures. Ça fait pile 2 heures que je tourne. Ramène la tête réparée au Roxy Raceway. Ouais, on va y aller, Freddy. C'était quelque chose, hein, cette salle d'arcade. Mais je suis content, j'ai réussi. Ok, sauvegarde. Voilà. Merci. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera très vite pour la suite. Du coup, la prochaine fois, on colle sa tête sur le robot. Et ensuite, on déglingue Roxy. Voilà. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue et que vous vous êtes amusé quand même, malgré le fait que j'ai encore une fois ragé et pas trop compris le jeu. Et bref, ce qui compte, c'est qu'on y soit arrivé au final. Du coup, merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour la suite. Et voilà, gros bisous. Portez-vous bien d'ici là. Ah!